La participation aux élections législatives du 8 janvier 2023 risque d'être un projet particulièrement laborieux pour les partis de l'opposition. Pour valider leur liste, ces partis, comme ceux de la mouvance, doivent fournir par candidat une batterie de pièces dont les obtentions peuvent devenir de la mer à boire pour certains partis. Parmi ces pièces, il y a en première position le quitus fiscal et délivré par la Direction générale des impôts. Alors que les dépôts de dossiers de candidature sont lancés par la Sénat, c'est presque un branle-bas au sein des partis de l'opposition et pour cause, la plupart des potentiels candidats ayant fait des demandes de quitus fiscal ne l'ont pas encore reçu. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous le recevez. Que comprendre de l'alerte des acteurs de l'opposition au sujet de l'obtention du quitus fiscal et du certificat de résidence? La participation de l'opposition aux législatives est-elle encore une fois menacée? Quelle chance pour la participation de l'opposition à ce scrutin? Les travaux de l'ANIP sur la liste électorale informatisée rassurent-ils les partis de l'opposition? Que faire pour avoir un Parlement digne et représentatif? Autant de questions à aborder au cours de ce numéro de votre rendez-vous dominical des vérités en direct sur Golf TV Africa, Golf FM Africa et sur notre chaîne YouTube et Odyssée Golf Media. Le thème aujourd'hui, législative de 2023, les craintes des partis de l'opposition. Notre invité, Expérience TB, président du mouvement patriotique, de libération, un parti de l'opposition. Monsieur TB, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour, cher ami. J'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de co-animer cette émission avec mon collègue et ami Aristide Kanoussou. Bonjour, Aristide. Bonjour, Gauthier Sédodé. C'est un plaisir d'animer véritablement cette émission avec vous et nous sommes déjà au rendez-vous. Bonjour à notre cher invité, le président du parti MPL, Expérience TB, qui a choisi de répondre présent sur ce plateau. Expérience TB, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de votre présence. Nous allons, avec la permission de Gauthier Sédodé, ouvrir véritablement cette émission par cette première question que je m'en vais vous faire, Expérience TB. Comment se porte le parti MPL à la date d'aujourd'hui, dans un contexte où les démissions et les adhésions se font remarquer ça et là?
Merci. Et une fois encore, merci pour l'opportunité, l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur ces questions qui préoccupent en ce moment tout le peuple béninois et nos compatriotes qui ne sont pas également à l'intérieur du pays. Et pour vous dire, revenir sur la question, le Mouvement populaire de libération se porte très bien, le parti MPL se porte très bien et conformément aux décisions prises depuis juillet 2020, où nous avons annoncé que nous allons nous préparer pour affronter avec succès les législatives de 2023. Nous sommes aujourd'hui aux encablures de cette élection et notre parti se porte encore mieux pour affronter avec toutes les chances requises ces échéances. Quels sont les indices qui vous font dire que le parti se porte bien ? Non, mais les indices, vous avez vu, comme vous l'avez notifié tout à l'heure, la déferlante de démissions et de mouvements en partie, vous avez vu que le MPL n'a pas été du tout touché et que les militants à la base sont plus convaincus du combat que nous sommes en train de mener, que nous avons eu l'adhésion massive de leaders de tous bords qui sont venus renforcer les bases, les structures à la base du parti, et nous sommes en train sereinement de nous préparer pour janvier 2023. Vous n'êtes pas dans la politique des affronts, vous dénoncez de façon subtile. Non. C'est votre stratégie ? Non, ce n'est pas... Vous savez, le peuple béninois, les leaders de l'opposition de façon globale, et savent combien a été le combat a été rude, le combat des leaders, surtout du MPL, dans cette, dans cette situation dans laquelle nous sommes rentrés depuis 2019, où la démocratie au Bénin est devenue ce que tous vous vivez. Face à cette situation, nous avons eu le temps de faire le point, de faire le bilan et de savoir et d'ajuster les stratégies du combat. Aujourd'hui, il est presque inutile d'aller, de continuer avec la politique de l'affrontement pour obtenir gain de cause. C'est pour ça que vous allez remarquer au niveau du MPL, la stratégie a changé. Nous ne sommes plus dans les affrontements, mais nous nous préparons pour affronter autrement je ne vais pas dire l'ennemi, mais je dirais les gens du camp d'en face. Oui, ce ne serait pas superflu de vous demander, avant que Gauthier Sérédé nous fasse sa question. Oui, on sait que le Mouvement populaire de libération est un parti de l'opposition, mais quelle est votre idéologie concrètement ? Quelle est la ligne que vous défendez ? C'est un parti libéraliste ou démocratique ? Non, pas du tout. Nous l'avons dit et chanté. Vous savez, c'est des jeunes qui ont porté des idées révolutionnaires, qui ont voulu changer la manière de diriger notre pays, notre société, qui n'étions pas d'accord avec ce régime dit de la République qui s'est installé depuis 2016, qui se sont mis ensemble. Et du coup, nous avons chanté, martelé et dit que nous sommes un parti de gauche qui promeut nous ne sommes pas libéralistes, nous sommes complètement à l'opposé de ces gens qui nous dirigent aujourd'hui et qui affichent ce mode de gouvernance purement libéraliste, capitaliste. Et nous pensons que notre peuple n'a pas besoin de ça, ce n'est pas de ce dont on a besoin aujourd'hui dans des pays comme les nôtres. Monsieur le président du MPL, la Commission électorale nationale autonome a lancé vendredi dernier le dépôt des dossiers pour de candidatures. Où en est le MPL dans la constitution des dossiers ? Nous sommes en train d'avancer progressivement, non pas sans difficulté, avec beaucoup de difficultés, il faut l'avouer, mais nous avançons sereinement quand même. Et comme nous l'avons dénoncé, chanté à plusieurs occasions, il y a dans la constitution des dossiers du parti pour aborder ces élections, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles auxquels nous sommes confrontés. En l'occurrence, vous avez cité tout à l'heure dans votre introduction l'obtention de certaines pièces, dont la pièce maîtresse, le quitus fiscal, sans lequel un candidat ne peut pas participer à cette élection. Il faut le dire que nous ne sommes pas contre que les citoyens puissent s'acquitter de leur devoir citoyen de payer leurs impôts. Mais par contre,
Depuis que cette pièce a été citée, de la façon dont elle a été intégrée dans la constitution des dossiers, nous avons exprimé nos craintes que ce pouvoir dit de la rupture que nous connaissons puisse l'utiliser pour évincer des candidats à cette élection. Et nous avons eu l'exemple en 2019, tout ce que le pays a connu. Cette fois-ci encore, la situation est en train de se reproduire. Mais nous pensons que l'administration fiscale des impôts ne va pas quand même prendre le risque de continuer à empêcher les demandeurs qui sont à jour de ne pas avoir leur quitus. À la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes encore loin. La plupart des responsables, par exemple, du parti n'ont pas encore obtenu leur quitus. Et beaucoup de nos candidats n'ont pas encore obtenu leur quitus. Cela constitue un véritable problème dans le bouclage des dossiers pour la commission qui est en train de travailler. Cependant, nous avons espoir que d'ici les heures à venir, le reste de nos quitus que nous avons, en tout cas, tous ceux qui sont à jour, nous avons espoir que l'administration des impôts se fera le devoir de nous aider à obtenir ces quitus-là. Oui. Avant le quitus fiscal, vous avez évoqué quand même des soucis au niveau de l'obtention du certificat de résidence. Qu'est-ce que vous vouliez faire comprendre au peuple et au pouvoir? Tout à fait. Le certificat de résidence, cette pièce également constitutive du dossier. Dans le code électoral, la loi a prévu que tous les candidats à cette élection doivent résider au moins un an sur le territoire national. Ouais. Alors, c'est cette pièce qui attestera que le Béninois et que nous avons résidé un an durant sur le territoire national. Il se trouve que les imprimés qui sont au niveau des mairies habituellement pour déléguer les maîtres des livres aux citoyens ne précisent pas partout la durée de séjour sur le territoire. La pièce indique simplement que le citoyen réside dans ma commune, tel arrondissement dans ma commune. Alors que nous devons prouver au niveau de la Sénat que, suivant la loi, que nous avons résidé au moins un an. Vous voyez un peu où la difficulté. Alors, il se trouve jusqu'à ce jour, lorsque nous avons crié, il y a certaines municipalités qui ont pu corriger le tir. Par exemple, chez moi, à Savalou, ça a été corrigé, l'imprimé a changé pour préciser depuis quand vous résidez dans cette localité. Mais il se trouve que jusqu'à ce jour, il y a d'autres mairies qui n'ont pas corrigé. Ça veut dire que pour ces candidats-là qui résident dans ces zones, ils vont produire une pièce où la Sénat aura de difficultés à prouver que l'intéressé a résidé un an sur le territoire. Alors que c'est une clause éliminatoire des candidats. Comment pour une pièce aussi importante, quelle est l'idée derrière une chose pareille? Je vous retourne la question et je retourne la question au peuple béninois. Que je profite pour prendre à témoin que... Il ne faudrait pas qu'on en arrive à exclure des candidats sur notre liste parce que ce n'est pas de notre faute. Il ne revient pas aux citoyens d'aller fabriquer un imprimé pour donner au maire pour signer. Si le maire, l'autorité locale qui a charge de délivrer cette pièce, délivre une pièce qui n'est pas conforme aux exigences de leur propre code électoral, il ne faudrait pas que ce soit nous qui en faisons les frais par la suite. Et c'est pour ça que nous avons crié, nous l'avons dénoncé suffisamment. Nous espérons qu'ils trouveront entre eux la manière de gérer cette pièce pour qu'elle ne vienne pas à éliminer des candidats. Est-ce qu'on peut dire que ce problème, ou bien tous les partis, que ce soit les partis de la mouvance ou bien de l'opposition, ont ce même problème, pardon. Comment puis-je vous le certifier? Il se peut que les certificats délivrés à eux au niveau de leurs militants soient différents maintenant de ceux que nous prenons. Moi, je sais ce que les certificats que nos militants ont retirés au niveau des mairies. C'est ça que j'ai vu. Mais je n'ai pas vu pour les autres, donc je ne peux rien dire. Et c'est pour ça que je profite de cette occasion pour prendre le peuple à témoin qu'il ne faudrait pas que ces pièces deviennent des éléments qui vont éliminer des candidats sur la liste des partis de l'opposition. C'est très important pour nous parce qu'ils sont capables de délivrer des pièces d'une autre nature à d'autres candidats et des pièces différentes à leurs propres candidats.
Et là, il ne faudrait pas que quelqu'un qui a demandé une pièce à une mairie, qu'on lui donne, devienne après ça une pièce qui compromette sa candidature. Est-ce qu'entre-temps, vous avez mené des démarches ? Absolument. Les médias également nous ont aidés. Nous avons, personnellement, je suis allé jusqu'à essayer de joindre certaines mairies pour demander qu'ils nous aident à corriger ces imprimés-là. Certains l'ont fait, mais je continue de vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que d'autres mairies ne l'ont pas encore fait jusqu'à ce jour, alors que nous devons déposer les dossiers dans quelques heures. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire, citer quelques exemples de mairies où le MPL, notamment, a de problèmes pour l'obtention du certificat de résidence sous le format conforme à ce que les pièces demandent? Je ne voudrais pas dénoncer ces municipalités, mais ils se reconnaissent, ceux qui n'ont pas encore changé ces imprimés. Et notre souhait, c'est qu'ils puissent, les heures à venir, ils puissent changer ces imprimés-là pour pouvoir satisfaire nos candidats qui continuent de courir derrière eux. Figurez-vous qu'il y a même certains maires qui tournent en rond nos candidats. Qui ont déposé cette demande de certificat de résidence, on dit revenez dans 3 jours, revenez dans 2 jours, et jusqu'à ce jour, je peux vous assurer que certains de nos candidats n'ont pas pu encore obtenir cette pièce au niveau des mairies. Bon, nous comprenons quand même que nous sommes habitués à cette façon de faire de la rupture qui doit trouver toutes les manières possibles pour créer des difficultés aux candidats qui ne sont pas de leur bord. Alors, Monsieur le Président, je voudrais vous faire la question de savoir, est-ce que vous avez la certitude qu'à la date d'aujourd'hui, si on vous délivrait le quitus fiscal, si vous obtenez le certificat de résidence, aucune faute qui sera trouvée plus tard ne vous incomberait? Ah, ben, écoutez, si nous avons les pièces administratives requises, quelle autre faute Est-ce que vous avez l'assurance que vous êtes bien organisé pour qu'on ne vous trouve pas des erreurs qui n'ont aucun lien avec le quitus fiscal, aucun lien avec le certificat de résidence? Non, je peux vous assurer que, même parce que après les difficultés connues par tous les partis aux dernières élections, notamment je veux parler des communales de 2020, et ils ont eu à revoir le code électoral, et en son article 41 qui donne la méthodologie d'étude des dossiers au niveau de la Sénat, désormais les partis politiques, après le dépôt de la liste, ont un délai après que leur liste a été validée, étudiée et que les observations sont faites aux partis. Les partis disposent au moins de 72 heures pour corriger, apporter les corrections à leur dossier. Ce qui est déjà une différence par rapport aux élections communales où la première faute fait tomber une liste. Donc, les partis ont au moins 72 heures. Ça fait déjà une différence par rapport à ce que nous avons connu la dernière fois. Alors, n'empêche, nous avons pris cette fois-ci toutes les dispositions nécessaires pour que aucune faute dite mineure n'apparaisse dans nos dossiers, surtout quand on sait que nous sommes, en proie à toutes les difficultés, quand on sait que on est en train de chercher la petite bête pour vous éliminer, il faut prendre cette disposition. Alors, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes habitué à ce mode de fonctionnement du gouvernement en place. Est-ce à dire que quand le gouvernement va ficher les choses, vous devez retourner dans votre caserne, la queue entre les jambes, sans rien dire? Vous consommez, c'est un aveu d'échec à l'avance? Ah non, pas du tout. Loin de là. Et je voudrais profiter pour vous le dire que si ce régime veut vraiment la paix dans le pays, si ce régime veut que le Bénin reste un et indivisible comme ils sont venus le trouver, il est important que cette fois-ci, on puisse éviter de continuer par éprouver les Béninois, qu'on puisse et permettre à tous les partis de tous les bords de pouvoir participer en toute quiétude à cette élection. D'éviter d'inventer a posteriori, après dépôt des candidatures, des méthodes d'études de dossiers tendant à exclure des candidats ou des listes de certains bords. Il est important que pour préserver la paix,
précaire paix que nous avons déjà, qui est sérieusement éprouvée par des phénomènes comme le djihadisme dans certaines régions du pays. Il est important que le régime n'en rajoute pas à l'occasion de l'organisation de ces législatives. Il faudrait permettre, et ça, je lance un appel très pressant à nos gouvernants, notamment à son chef, de pouvoir bien instruire ses différents collaborateurs. Est-ce que le gouvernement doit-il prendre ça comme une menace? Non, ce n'est pas une menace. C'est juste un appel pour pouvoir préserver la paix, que je dis bien, reste précaire en ce moment en raison des phénomènes que nous observons dans certaines parties du pays. Quel est le moyen de... rajoute pas. Quel est le moyen de pression que vous disposez aujourd'hui pour pouvoir amener le gouvernement à faire les choses dans les normes? Les moyens de pression peut-être pacifiques. Oui, vous savez que depuis certains événements, je fais allusion à 2019, nous avons décidé de ne plus utiliser certaines méthodes, je vois, auxquelles vous faites allusion. Mais le peuple, ce n'est pas nous qui demandons, nous n'allons pas demander au peuple de se soulever ou d'aller dans la rue. Mais si les comportements de certains amènent les gens à avoir des réactions qui ne plaisent pas, ce ne serait pas la faute des responsables politiques que nous sommes. Ça, il faut que tout le monde le comprenne. Lorsqu'on pousse les gens à bout, on ne peut pas présumer, on ne peut pas présager du moins de la réaction qu'ils peuvent avoir. C'est pour ça qu'il est important que, à l'occasion de ces élections-ci, il faudrait nous lançons cet appel à nos gouvernants qui puissent permettre que cette élection soit réellement des élections que nous avons connues en temps dans notre pays, que ce soit vraiment une occasion de fête où tout le monde puisse aller exprimer son vote dans la quiétude, que les gens aient l'opportunité, l'occasion d'aller choisir le candidat de leur choix, qu'on ne leur restreint pas la possibilité de choix en éliminant telle ou telle liste de candidature. Alors, la DGID a ouvert hier ses portes pour faciliter l'obtention du quitus fiscal. Comment vous avez vu cette démarche? Oui, elle est salutaire et ça a permis à certains de nos candidats d'entrer en possession de leur quitus. Ça continue. Néanmoins, nous sommes en train de faire le point en ce moment à notre niveau. Le reste de nos candidats qui n'ont pas encore obtenu leur quitus, nous allons saisir très tôt demain le directeur général des impôts afin qu'il puisse nous aider à élucider très rapidement ces cas parce que nous avons quelques heures pour déposer ces dossiers et c'est vraiment ça, c'est l'anxiété en ce moment au niveau de certains candidats. C'est une situation très inconfortable de ne pas pouvoir savoir si on aura son quitus ou pas à quelques heures de la fermeture du dépôt des dossiers. Alors, nous nous sommes posé quelques questions, et notamment, est-ce que ce sont les potentiels candidats de l'opposition qui sont les seuls à avoir de soucis pour l'obtention de leur quitus fiscal? Et cette question va nous permettre d'observer une petite pause pour écouter quelques potentiels candidats. Est-ce que certains potentiels candidats ont déjà pu l'avoir? Nous avons voulu en avoir le cœur net. Et donc, hier samedi, 29 octobre, à 4 jours précisément de la clôture du dépôt des dossiers de candidature à la Sénat, puisque ça prend fin le 2 novembre, c'est une grande affluence que nous avons constatée à la Direction générale des impôts et des domaines où le document est délivré. Quelques acteurs politiques rencontrés sur place à la DGID se sont prononcés sur les difficultés d'obtention de ce précieux sésame. Ils sont au micro de Spero Aoussinou et de Janvier Hélette. Oui, c'est parce que, comme vous constatez, le dépôt a commencé, mais on n'a pas encore les quitus. Mais on ne sait pas pourquoi. On attend. Pour des gens qui n'auraient pas rempli les conditions, il y a une certaine... Ça fait un moment que les dossiers sont demandés, sont déposés. Donc il aurait fallu répondre aux gens depuis longtemps pour que, s'il y avait des régularisations, que les gens les fassent. Je ne sais pas ce qui se passe. On attend. On attend. On fait les démarches qu'il faut, on a fait les relances qu'il faut. On espère que ça va s'arranger d'ici à ce soir ou demain ou plus tard. On espère. Nous sommes au top. Nous irons aux élections quoi qu'il en coûte. Malgré le fait que vous n'avez pas... Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte.
Je suis venu vérifier la situation de mon quitus fiscal. Et je n'ai pas encore reçu le message, mais les services des impôts nous ont rassurés de patienter, que le traitement est en cours et que chacun aura son quitus. Il y a plusieurs milliers d'autres potentiels candidats qui en ont reçu. D'autres sont dans la boîte. J'espère bien que le mien va sortir d'ici là. Donc, restons positifs. Il n'y a pas de souci à se faire. Moi, je suis du BR. Je n'ai pas encore eu le message. Donc, le Bloc républicain, c'est la mouvance présidentielle. Hein. Et pourtant, donc, tout suit normalement le cours des choses. Chez moi, ça n'a pas été difficile parce que je suis à jour. Sur le plan fiscal, je suis vraiment à jour. Ma société est à jour et j'ai tout payé, j'ai tout liquidé. Étant gestionnaire comptable, je sais comment faire pour parvenir. J'ai préparé ce quitus fiscal. Nous sommes venus pour voir à quel niveau, quelle est l'évolution de notre demande de quitus fiscal. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore reçu, malgré la demande qui a été faite. Et donc, et c'est le cas pour la plupart de nos candidats. C'est vrai que quelques-uns ont reçu, mais certains ne l'ont pas encore reçu. Notamment, nous qui sommes les responsables, nous n'avons pas encore reçu. Et nous espérons que la DGID va faire toutes les diligences possibles pour que les suspicions qui pouvaient planer sur la délivrance des quitus fiscales puisse être reléguée au passé. Nous comptons sur la DGID pour que si même les suspicions telles que ça se passe, puisque nous sommes pratiquement à la veille et nous n'avons pas de raison particulière que les quitus ne sortent pas normalement, on nous notifie si c'est un refus, on fait les observations de refus. Juste là, nous n'avons pas reçu, donc nous attendons, nous espérons, nous sommes citoyens béninois, et donc nous avons confiance quand même que nous aurons notre quitus. Eh bien voilà, quelques acteurs se sont prononcés sur la question, et il s'observe que certains ont pu avoir cette pièce-là, même au sein des partis de l'opposition, FCBURLC par exemple. Vous l'avez dit aussi, dans votre camp, quelques-uns ont pu l'avoir, mais il reste que quand le dépôt est fait, il n'y a pas de notification. Est-ce que c'est un rejet? Est-ce que c'est un complément à faire? Vous n'en savez rien et cela fonde votre préoccupation. Oui, c'est ce que nous disons tantôt. Vous savez, on a transformé le pays en un chantier, uniquement en un chantier de réforme, ce qui fait que à chaque saison, il y a de nouvelles habitudes. Bon, je l'ai dit tantôt, on ne veut pas, nous ne sommes pas en train de promouvoir l'incivisme fiscal, mais nous pensons que cette méthode où nous demandons le quitus et les délais ne sont pas respectés pour signaler aux potentiels candidats que bon, ils ont tel problème, ils ont telle difficulté pour qu'on puisse corriger. Ceux qui peuvent le corriger pour obtenir le quitus rend vraiment difficile la chose et nous souhaitons et espérons que les fois à venir, l'administration fiscale puisse améliorer la méthode de traitement des dossiers pour diminuer l'anxiété et le stress au niveau des potentiels candidats. J'ai foi que les heures à venir, ils pourront libérer très rapidement le reste des demandes qui sont en souffrance à leur niveau. Je pense qu'ils sont conscients de l'enjeu. J'espère bien que ça ne viendra pas de l'administration fiscale pour envenimer la situation que tout le monde voit déjà très délétère. Expérience TBR. Je vous cite Éric Houndété, nous irons aux élections quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce que cette phrase vous inspire? Et c'est toute l'opposition qui répète ça. Nous irons également aux élections. Avec certitude, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette phrase, par exemple? Non, ce que vous allez comprendre, c'est que le 2 novembre, nous tous, nous serons à la Sénat avec les dossiers. Si c'est des dossiers incomplets. Non, les dossiers ne seront pas incomplets. C'est ce que je disais tantôt. L'administration fiscale ne permettra pas ça. Et non, ils ne permettront pas ça. Non.
Et je continue de croire que nous tous, nous sommes des citoyens du Bénin qui voulons la paix, qui promouvons, qui savons que sans la paix, nous ne pouvons pas vivre en toute quiétude dans notre pays, et où nous avons tout. Nous avons tout. Et sachez que nous, en tout cas, les principaux leaders du MPL ont tout au Bénin. Et eux également. On vous dira que l'opposition n'est pas résumée à MPL. FCBE, RLC vient de recevoir. Écoutez, nous n'allons pas rentrer dans ce débat, mais je pense que ils permettront à l'opposition d'avoir également leur quitus. On vous dira que c'est vous qui avez manqué à votre responsabilité. Peut-être que vous n'avez pas vite déclaré ou payé vos impôts, etc. Comme la loi le dit, le précise, leur fait obligation, j'espère que on notifiera à tous les candidats les raisons pour lesquelles le quitus n'est pas délivré. En ce moment, ces délais ne sont pas respectés. Les délais, en principe, en 72 heures, on doit pouvoir notifier au candidat le refus, les raisons du refus, et pour qu'il puisse se mettre à jour. Je suppose que, les prévisions par rapport aux demandes, par rapport à leur système informatique installé, ne leur ont pas permis de répondre dans les délais comme cela se doit. Et j'espère que je continue de les créditer de bonne foi, puisque c'est aussi des Béninois. Ils ne permettront pas que nous allions à certaines escalades. Espérance TBR, oui. Vous savez que nous sommes dans un contexte où les choses changent. Vous l'aviez dit vous-même, à chaque élection, la stratégie change. Est-ce que vous êtes suffisamment sûr que votre mur n'est pas fendu au point où, en votre sein, des gens puissent être piochés pour défendre en son temps votre absence aux élections? Non, c'est pas possible, ça. Moi, je peux vous rassurer, nous irons à cette élection comme l'autre, vous venez de l'entendre, quoi qu'il en coûte. Il sera inadmissible, inconcevable que nous puissions voir venir toutes ces manipulations, tous ces pièges tendus, et que tout droit nous allions tomber dedans. Et ce sont vos propres membres qui diront peut-être demain que c'est vous qui avez tort. C'est de ça qu'il est question. Non, je vous êtes suffisamment confiant. Non, je suis confiant, suffisamment confiant que nos membres ne diront pas ça. Alors, écoutez, Salolé. Insistance, nous allons aborder un autre sujet. Peut-être pour revenir encore sur le quitus fiscal à Perrin, sur insistance des organisations de la société civile et de certains partis politiques de l'opposition notamment, l'Agence nationale d'identification des personnes a accepté d'auditer la liste électorale informatisée. Est-ce que les résultats de l'audit vous rassurent? Vous savez, nous avons émis en son temps des réserves, des craintes par rapport à la confection de cette liste. Parce que nous ne sommes pas représentés au niveau de cette structure. Les réformes dont on nous a parlé, les réformes ont touché également ce niveau, et désormais la NIP est le bras technique qui devait confectionner la liste, qui doit être extraite. La NIP qui s'occupe du registre des populations doit extraire la liste électorale, qui n'est rien d'autre que la liste des citoyens qui sont en âge de voter. Alors, toute cette opération-là est faite aujourd'hui sans les politiques, sans les partis de l'opposition. Vous convenez que quand on est en face de ce régime qui nous a suffisamment prouvé de quoi il est capable, que nous ayons des craintes légitimes. C'est ce que nous avions fait tout le temps. Et pas fini, ils ont accepté de nous permettre de venir auditer. Bon, vous savez, nous avons, au niveau des partis politiques, nous n'avons pas toutes les compétences requises pour faire ce travail technique. Donc, nous avons sollicité des experts pour nous aider à faire ce travail. Mais il faut avouer que le temps dont on disposait ne permettait pas d'aller au fond des choses. Mais un travail a été fait et
ce que on peut retenir avec les organisations de la société civile, c'est un travail qui a regroupé toutes les parties, et l'opposition, la mouvance, avec les aspects que nous avons commis à cette tâche. Ce qu'on peut dire à la date d'aujourd'hui, c'est que le temps n'a pas permis d'aller au fond des choses. Cependant, ce n'est pas une raison pour nous de dire que de donner une satisfaction totale au travail qui a été fait, même si nous n'avons pas eu des motifs aujourd'hui pour soulever et attaquer la liste. Cependant, comme nous l'avons dit et répété, ce ne sera pas une raison suffisante pour dire que à cause de ça, nous n'irons pas aux élections. Nous allons prendre nos dispositions pour surveiller autrement ce qui va se passer. Parce que les nids de fraude, les méthodes des fraudes, nous avons eu droit à un peu en 2021, en 2017. Vous avez vu également, vous, parce que vous étiez sur le terrain, les méthodes de bourrage, vous avez vu tout ça. C'est surtout à ce niveau que nous sommes en train de nous préparer pour que cette fois-ci, ces choses-là ne puissent pas se répéter. De quelle façon vous préparez à ce niveau? Ben, nous allons nous surveiller. Nous allons nous surveiller. Il faut que partout, dans tous les bureaux de vote, déjà, il faut qu'on essaye d'être représenté et surveiller les opérations de bout en bout. Surveiller toutes les opérations, je dis bien de bout en bout. Cette fois-ci, en tout cas, il faudrait que tout le monde sache que on va se surveiller. Nous allons nous surveiller. Plus personne n'aura la possibilité d'amener lui seul des cachetés comme nous l'avons vu les fois passées. On vous dira que ce n'est pas justifié, c'est pas au Bénin. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la nature de la liste que nous avons obtenue avec laquelle nous irons aux élections là, nous allons nous surveiller. Et parce que vous devez participer forcément aux élections, vous cautionnez tout, même si la liste est... Non, écoutez, vous savez, j'essayais de le dire tantôt, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, avec ce que nous avons, cette assemblée issue de 2019, nous n'avons pas de raison, même si le régime a tout fait pour décourager les partis de l'opposition. Nous ne pouvons pas prendre sur nous le risque de dire qu'on veut boycotter les élections parce que nous ne sommes pas rassurés des préparatifs, ou du moins parce que l'opposition n'est pas représentée au niveau des structures. Si vous boycottez, c'est tout bénéfique pour cette mouvance. C'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent, c'est décourager le camp adverse pour que vous puissiez abdiquer. C'est pour ça que nous avons choisi, nous, très tôt, l'option de ne pas aller recourir à cela. Il faut se préparer et y aller pour pouvoir les pousser également à bout, pour voir leur bonne foi. Nous n'allons pas, sous le prétexte d'avoir été exclus de tout, sous le prétexte de n'être pas présent. Bon, c'est vrai qu'il y a une partie de l'opposition qui a choisi cette option. Mais bon, nous allons voir cette fois-ci qui d'entre nous aura raison. Est-ce que on va prétester de notre participation pour créer plus tard des éléments ou des circonstances d'exclusion? Nous allons aviser. Le peuple béninois décidera en ce moment-là. Dans l'extrait que nous avons joué il y a un instant, vous avez certainement vu un acteur politique se présenter sous la bannière d'un parti dénommé, eh bien, FCBE-RLC. FCBE-RLC. Vous, ça ne vous dit pas MPL et un autre parti, par exemple? Une fusion? Non, nous ne sommes plus... Vous savez, cette question a été tournée, retournée dans tous les sens au niveau de l'opposition. Nous avons le MPL a été le pionnier pour demander, solliciter au niveau de tout le monde qu'on se mette ensemble pour faire un bloc homogène et surtout pour aborder ces élections. Malheureusement, les discussions n'ont pas abouti à ce regroupement-là des partis de l'opposition et vous pouvez bien comprendre au niveau que les Béninois, ils continuent de nous être difficiles de nous mettre ensemble pour défendre les mêmes causes. Je ne peux pas vous dire, mais il semble que
le constat est que au niveau de la sociologie de notre pays, il nous est difficile de nous mettre ensemble pour défendre les mêmes causes. Vous allez le constater, c'est dans tous les secteurs. Et je constate que la politique ne fait pas exception à ça. Les gens, alors que ils défendent les mêmes causes, ils ont de difficultés à se mettre ensemble. Bon, peut-être parce que les agendas sont différents. Mais peut-être parce que les idéologies ne sont pas aussi les mêmes, les lignes aussi ne sont pas les mêmes, c'est pourquoi? Peut-être. Mais au fond, la question qui se pose à nous aujourd'hui est une question quand même qui pouvait rassembler tout le monde. Celle de permettre au peuple béninois d'aller reconquérir son assemblée qui a été confisquée durant cette 8e législature. Permettre au peuple béninois d'aller corriger l'état de ces lois qui ont été votées en l'absence d'une opposition au Parlement. Bon, si ça, ces raisons ne sont pas suffisantes pour certains acteurs de l'opposition pour surpasser leurs égos, surpasser les agendas personnels qu'ils ont, pour qu'on puisse au moins régler cette question, cette seule question, le temps de passer à autre chose. Bon, nous qui sommes relativement plus jeunes dans l'arène, on s'en est désolé, mais ça n'a pas été une raison pour nous d'abdiquer ou de changer d'option. Voilà. Est-ce que vous, entre-temps, vous avez mené des démarches sérieuses pour cette fin? Non. Il y a eu tellement du temps mis pour nous permettre de nous mettre ensemble que ça a failli même perturber l'organisation interne de chaque parti. Mais aujourd'hui, nous sommes loin de ça. Et la question pour nous, le défi, c'est de la participation effective à ces élections-là. Est-ce que vous pensez que le peuple va continuer à avoir confiance en cette opposition si elle-même n'arrive pas à s'unir? Non, je pense que le peuple est suffisamment mûr et averti de toutes ces questions-là aujourd'hui. Ce que le peuple attend de nous aujourd'hui, c'est de pouvoir nous organiser et participer à l'élection. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous avons compris et nous sommes en train de pouvoir répondre à cet appel du peuple. Vous voyez, quand vous regardez aujourd'hui, tout le monde attend et nous regarde. Tout le monde attend. Tout le monde attend, le peuple attend et veut voir ces acteurs politiques de l'opposition, en dépit de tout, peuvent-ils s'arranger pour participer aux élections? C'est de ça, c'est là où le peuple nous attend. Et c'est là qu'on verra réellement qui est avec le peuple, qui est en train d'œuvrer pour l'épanouissement, le réel épanouissement de ce peuple-là. Donc la participation ne vous effraie pas plus que les 10%? Non, pas du tout. Vous savez, la question des 10% est agitée, ça et là. Mais pour nous, c'est une question que vous renvoyez au peuple. Ce peuple-là qui veut une 9e législature et qui soit à l'image réelle de ce qu'il veut, des aspirations de ce peuple-là, n'est pas inquiet de donner 10% aux partis de l'opposition qui pourront se présenter. Donc nous, c'est comme si vous, aujourd'hui, vous doutez de ce que ce peuple veut, installer une assemblée réelle à son image. Quand vous nous demandez est-ce que vous n'avez pas peur des 10%, nous n'avons pas peur des 10%. Cette question, c'est le peuple qui veut la régler. Alors, si vous arrivez à passer les barrières, vous retrouvez à l'Assemblée nationale, quels sont les dossiers sensibles sur lesquels vous allez très tôt vous établir, vous, en tant que président du parti MPR? Ah oui, voilà. C'est ce qui intéresse effectivement nos compatriotes. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et vous voyez, au niveau du MPL, nous avons réfléchi déjà sur nombre de ces questions et plusieurs axes ont été retenus qui vont constituer les points sur lesquels les députés qui seront issus de nos rangs vont défendre nos couleurs à l'Assemblée nationale. Par rapport à la justice, renforcer l'indépendance de la justice pour que les citoyens puissent vraiment se sentir libres chez eux et avoir une justice équitable. Ça, vous allez remarquer aujourd'hui que les Béninois continuent d'avoir peur, de penser que la justice est monopolisée par un camp et instrumentalisée. Il va falloir renforcer cette indépendance de la justice que nous avons proclamée, qui est proclamée de tout temps, mais qui n'est pas encore effective.
il va falloir prendre des lois pour protéger les magistrats, pour qu'ils puissent être libres de rendre une justice indépendante. Si aujourd'hui nous avons des problèmes que nous connaissons dans le pays, des citoyens qui se retrouvent hors de leur pays aujourd'hui, c'est parce que cette indépendance n'est pas complètement encore sauvegardée. Et donc ça fait partie des points cruciaux sur lesquels le MPL entend se battre pour que les choses changent. Alors, pour bien des observateurs, oui. La 8e législature n'a pas joué son rôle. Que faut-il faire maintenant pour avoir un Parlement digne et représentatif? Je continue sur la question précédente. Oui, nous avons également pensé aussi à la gestion du social. Voyez-vous, chaque fois que les réformes, soit les réformes à l'interne, ou bien la situation, la conjoncture économique internationale provoque d'inflation. Et nous assistons à l'explosion des prix des denrées alimentaires, les populations sont laissées pour compte. Aucun mécanisme fiable, aucun mécanisme éprouvé n'a permis, du moins jusque-là, n'avons pas vu, de protéger les citoyens, de protéger les consommateurs. Les coûts sont directement répercutés sur les citoyens qui, de plus en plus, sont étouffés et vivent difficilement. À ce niveau, nous comptons et nous battre pour que, une fois que nous serons au Parlement, pour que des mesures soient prises aussi à ce niveau, pour protéger les citoyens, de telle sorte que lorsque les inflations atteignent un certain seuil, que l'État puisse être amené à protéger les citoyens. Ça, les gouvernants promettent, mais ne le font pas assez. Il va falloir nous contraindre l'État par des lois à protéger davantage la situation sociale des citoyens. Avant de répondre à la question de Gauthier Saloudé, qu'est-ce que vous reprochez à la législature qui est là? Mais ça, c'est, vous appelez ça. Nous n'avons pas. Vous savez, nous avons décidé de ne plus revenir sur cette question. Il n'y a pas de point positif dans ce qu'ils ont fait? Peut-être ils viendront nous le montrer, mais nous ne le percevons pas bien encore peut-être. Parce que ce que nous retenons de cette législature, ça a été une caisse de résonance du pouvoir qui, lorsque le pouvoir a des difficultés pour avancer dans son schéma, et on les sollicite, et lorsqu'ils sont sollicités dans la journée, la nuit, une loi vient pour aider le gouvernement à continuer à rouler en roue libre. Donc, pour nous, ça, ce n'est pas une législature. Un parlement est composé de députés élus de la mouvance au pouvoir et de députés, de gens qui sont contre le régime, permettant de faire un débat avant le vote de loi. Mais lorsqu'on se retrouve entre acteurs d'un même camp pour décider de ce qu'on fait, le pouvoir exécutif décide de ce qu'il fait et les autres répondent en même temps la nuit et au petit matin, la loi est déjà promulguée. Vous convenez avec moi que on ne peut rien voir de positif ou bien, je sais pas, on ne peut rien approuver, on ne peut pas espérer que tout ce qui se fait là soit dans l'intérêt du peuple. C'est plutôt dans l'intérêt du gouvernement, du régime qui est en place. Venons-en à la question de Gauthier Saloudé, telle qu'il vous la posait. Que faire pour avoir un Parlement représentatif? Ce qu'il faut faire déjà, c'est de laisser nous tous avoir nos quitus, de participer aux élections, de permettre au peuple de choisir les représentants qu'ils veulent. C'est ça ce qu'il faut faire pour avoir un Parlement digne et représentatif. C'est qu'on permette à tous les acteurs politiques de participer aux élections librement, de choisir leurs représentants suivant leurs convictions et de permettre de renouer à l'Assemblée avec les débats sur des questions de la gestion de notre pays. Les débats que nous avons connus en temps qui aujourd'hui nous font vraiment cruellement défaut. On le sait plus. On se lève un matin, on voit de nouvelles lois. On ne sait même plus à quel niveau nous en sommes au niveau des lois qu'ils ont votées.
C'est à l'épreuve des choses que vous découvrez que, bon, il y a déjà eu encore du nouveau à tel endroit, il y a du nouveau encore à tel niveau. Il faudrait que désormais, ces représentants du peuple puissent penser réellement à la prospérité, au bien-être de nos concitoyens. Que désormais, on ne mette pas plus d'efforts à entretenir les fleurs au bord de la voie que de veiller à ce que les groupes électrogènes fonctionnent dans nos hôpitaux, correctement dans nos hôpitaux. C'est ça, c'est en ce moment-là, à l'épreuve de ces choses, que nous saurons que nous avons une bonne législature qui travaille, de vrais députés qui défendent l'intérêt de notre pays. Avant de laisser Gauthier Sadodé vous envoyer vers votre mot de fin pour conclure cette émission, vous avez parlé du social dans votre développement. Ce mot m'intéresse. Vous, comment comprenez-vous le social qui est en place? Parce que vous avez dit à l'Assemblée nationale, vous devez tout faire pour améliorer le social. Le social, qu'entendez-vous par là? Aujourd'hui, on a parlé du hautement social, mais jusqu'ici, c'est comme une équation à mille inconnues. On ne comprend pas ce qui est dans le social concrètement. Ah oui, votre question en elle-même déjà donne des éléments de réponse et je vous en félicite. Voyez-vous, on a chanté Obi et Obi, le social, le hautement social, j'allais dire. Mais force est de constater aujourd'hui que quand vous regardez la pyramide des âges au Bénin, les jeunes les jeunes en âge de travailler entre 18 et 25 et 27 ans sont les plus nombreux. Mais rien de concret n'est offert à cette frange de la population en termes d'abord d'orientation, de formation et en termes d'offres d'emploi. Il va falloir désormais que le Parlement, les députés pensent à protéger ces jeunes-là la plupart qui s'essayent quand même de finir leur formation doivent aller se rasseoir à la maison pour des années espérant un jour avoir qu'on lance des années plus tard un concours pour recruter 1000 policiers ou pour recruter 500 gardes forestiers. Avant ça, ils doivent être à la charge des parents. C'est là où le vrai social doit se faire ressentir. Tous ces jeunes formés, on doit pouvoir les accompagner désormais et de façon périodique pour qu'ils puissent avoir un minimum pour survivre. Sans oublier les personnes âgées et handicapées qui, aujourd'hui, vous voyez dans notre société... Ce qui va impacter forcément les ménages. Pour impacter les ménages, voilà. Et c'est là que réside même le nœud du social. Le nœud du social. Aujourd'hui, le fameux panier de la ménagère dont on parle, vous voyez ce qui se passe, la misère ambiante. Les ménages souffrent, mais sans mesure concrète d'accompagnement. Et c'est à ce niveau que nous devons voir les députés, s'ils sont vraiment des élus du peuple, ils doivent penser à prendre des mesures pour protéger ces franges de la population qui vivent tous au-dessous du seuil du minimum qu'ils requis pour subsister. Donc, nous pensons que ceux qui sont là aujourd'hui, ces questions-là ne les intéressent pas. C'est comment faire pour continuer par soutenir, peut-être même les yeux fermés, les actions qu'entreprenne le gouvernement. Et c'est la conséquence, c'est ce que vous voyez, dans le plus grand hôpital du pays, il peut arriver que lorsque l'énergie se coupe, le groupe ne prenne pas et qu'on puisse avoir encore des morts à ce niveau. Expérience TB, qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de fin, vous président du mouvement patriotique de libération populaire. Au regard du stress que vous vivez déjà pour l'obtention du certificat de résidence et du quitus fiscal. Je voudrais profiter de votre plateau pour lancer un appel à toute l'administration publique impliquée dans l'organisation de ces élections-là de pouvoir penser à notre pays, à notre nation. Faut que chacun d'entre nous, même si ils sont sous le coup de diverses pressions au niveau du régime, il faudrait qu'ils pensent à l'unité de la nation et à la paix que nous devons préserver, nous devons sauvegarder en tout temps et en tout lieu. Et donc, que chacun puisse faire un effort
pour que le devoir patriotique qui lui incombe soit vraiment au-dessus de toute autre considération partisane. Donc, ceux qui sont chargés de produire des pièces aux candidats qui devront participer à ces élections-là, qui puissent faire le devoir pour lequel ils ont choisi, pour la plupart, d'aider le pays. Que ces maires puissent très rapidement prendre les dispositions utiles à leur niveau pour fournir des pièces valides, valables aux différents candidats. À l'administration fiscale, ne doute-t-on pas de leur bonne foi à contribuer à régler cet épineux problème aujourd'hui qui empêche des milliers de candidats de valider leur dossier de candidature et qui provoque aujourd'hui de sérieux problèmes au niveau des partis qui sont en train de boucler leur dossier de candidature. Parce que si un candidat n'a pas son quitus, il faut le sortir et le remplacer. Voyez-vous un peu tout ce que ça nous crée en ce moment. Donc, que l'administration fiscale fasse davantage d'efforts de satisfaire nos demandes qui sont en attente. Et pour finir, je voudrais demander à tous nos compatriotes, au peuple béninois, de se tenir prêt et debout à accompagner l'opposition cette fois-ci à installer une 9e législature digne de notre pays, des années démocratiques que nous avons connues dans notre pays, pour que réellement des débats d'idées, des débats, des vraies questions de développement puissent revenir au Parlement béninois. Merci à vous d'être passé sur notre plateau, nous dire vos vérités, là où beaucoup ont décliné l'offre, ils n'ont pas peut-être eu le courage de venir dire leur vérité au sujet de ces questions. Merci à vous aussi, Aristide Kanoussou. Oui, merci Gauthier Salodé, c'est toujours un plaisir d'animer cette émission avec vous. Ma part de vérité, Espérance TB vient de vous servir, madame, monsieur, sa part de vérité et pourquoi pas sa part de conviction sur la législative de 2023. Merci Espérance TB. Merci à vous, chers amis. On espère que ça pourra être réédité à tout moment. Ce sera un plaisir. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur notre chaîne YouTube et Odyssée Golf Media. Le programme continue sur Golf TV Africa. Bonne suite de journée à vous.